Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, on va tester un nouveau jeu rétro. Il s'agit de Pole Position sur... Pole Position 2 sur Super Nintendo. Oui, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais testé le 1 et maintenant on va tester le 2. Alors qu'est-ce que je dois penser de ce jeu? Franchement, il est assez bien, mais un petit peu dur sur les bords. Hein. Je vais vous montrer pourquoi. Alors franchement, c'est un jeu de Formule 1 tout à fait classique. Alors vous avez les Grands Prix, les Battles, les Test Run. On va prendre les Battles puisque j'adore ce mode-là. Alors, bon, sinon c'est un petit peu comme d'habitude, vous devez effectuer des circuits, remporter des prix, bref, la routine habituelle quoi. Hein. Bon, bref, le jeu, franchement, il est assez bien, mais comme je viens de vous dire, il est un peu tortueux sur les bords. Il faut vraiment, pas faire trop n'importe quoi. Hein. Bon, donc comme d'habitude, on va prendre attendez que je cherche, Benetton, Régis, j'essaie de chercher, alors, Williams, Ferrari, Benetton. Là c'est Woodwork, ensuite nous avons Tyrrell, ou Tyrrell, je sais pas comment on prononce, et enfin nous avons Sauber. Bah tiens, vous savez quoi, je vais prendre Sauber, tiens. Allez, c'est parti, et tiens, on va prendre, comme c'est une bataille, on va prendre 6 au total, voilà, on va prendre Michael Schumacher, Berger, là on va prendre Suzuki, Katayama, et je pense que ça fera très bien l'affaire, merci, voilà. Allez, on va commencer. Bon, je vérifie encore d'autres. Non, c'est bon, il n'y a rien d'autre à rajouter. Voilà, donc c'est parti, on va commencer. Donc, je serai donc Sauber. Alors, des Prost, Schumacher, Alesi, Andretti. Ouais, que des grands noms. Hein. On voit très clairement que ce jeu est sorti aux alentours des années 90. Hein, à l'époque où la Formule 1 des années 90 était splendide. Avec ses pilotes de haut niveau, que ce soit Prost, Schumacher, Senna, Mansell, attention, oui, alors que je vais, il faut quasiment faire gaffe à ne pas bousculer, et bien faire gaffe, merde, attendez, oui, évitez de pas trop aller sur le gazon, ah, il faut vraiment, mais ce jeu, il est tellement tortueux, mais faut vraiment pas déconner avec ça, faut vraiment pas déconner, hein. Attention, oui, on conduit tout doucement, voilà, faut pas faire n'importe quoi, excusez-moi, je suis concentré, tellement j'ai vraiment pas envie de faire trop n'importe quoi. Alors, c'est parti, bon, je coupe par le virage, c'est pas grave. Bon, faites gaffe parce qu'il y a certains, comment dirais-je, certains circuits qui sont quasiment d'une chiantisme interstellaire, je vais pas vous mentir. Allez, de toute façon, il faut juste rouler doucement, sans stresser. Et même si vous galérez, c'est pas grave. Allez, on continue. Allez, attention au virage. Voilà, oui, c'est bien, on continue, on ne stresse pas. Voilà, c'est parfait. Voilà, donc, j'ai pris, comme d'habitude, trois circuits, hein, enfin, trois tours, hein, pour faire trois laps de temps. Voilà, de toute façon, j'ai fait le deuxième. Attention, oui, s'il te plaît, ne va pas trop près de la pelouse. Allez, on continue, voilà. On roule, merde, ah, j'ai fait le con, putain, j'ai trop tourné, hein, merde. Que je vais vous le dire, il faut vraiment pas faire n'importe quoi avec ce jeu. Il faut vraiment pas faire n'importe quoi. Hein. Allez, attention. Ouais, bon, là pour l'instant, je suis à... Mais faites attention aussi. Oh là là là. Ça aussi, c'est chiant. Et à chaque fois qu'on se fait percuter ou on percute quelqu'un, on est envoyé directement dans le décor et ça, c'est très dangereux. Hein. Putain. Et après, on s'étonne pourquoi il y a autant de problèmes dans les routes. Et merde! Et voilà, je me suis mangé le mur dans la gueule. Bravo! Oh là là, c'est... Bref, ce jeu est bien, mais ça vaut pas mieux le premier. Le premier, ça va. Il était bien. Il n'y avait pas trop de prise de risque. Mais ça va. Hein. Et le deuxième, je sais pas. J'arrive pas très bien à l'apprécier. Hein. Il a l'air d'être bien, mais je sais pas. Il est un petit peu trop... Il est pas évident. Voilà. Voilà, ça c'est le tour final là, pour autrement dit le tour final, puisqu'il y a trois tours. Allez, on continue, on dé... Non, attends, on va le rattraper celui-là.
Allez, non, toi tu restes derrière, toi. Oui, alors, oui, comme vous l'avez remarqué, je sais pas si vous l'avez. Oui, il y a deux petits. Il y a deux petits miroirs. Bah, ce qui vous permet de voir vos concurrents de derrière. Merde, qu'est-ce que je fais? Putain, j'ai tourné dans le mauvais côté. Mais putain, oh là là, mais. Oh là là. Il faut vraiment, mais. Pas faire n'importe quoi, là. Il faut vraiment, mais. Bien faire gaffe quand on est dans un circuit de formulaire. Il faut vraiment, vraiment bien faire gaffe, hein. Bon, bien sûr, c'est un jeu vidéo, mais, tu sais, mais la réalité est 10 fois pire. Allez, on continue. Allez, voilà, on ne se décourage pas. Bon, mais même si je galère, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Pas non plus se démoraliser. De toute façon, même si vous galérez, même si vous n'arrivez pas à progresser, c'est pas grave. Estimez-vous heureux d'avoir fait le meilleur de. Enfin, du mieux que vous pouvez. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Allez, on continue. De toute façon, c'est bientôt terminé. Voilà, face à la terre, voilà, là on s'y approche et là c'est avec la fin du parcours. Et voilà! Et bah putain, c'était pas la joie, hein! C'était vraiment, mais pas la joie, pas la joie, pas la joie, pas la joie! Ce bon vieux Alain Prost! On voit très clairement que c'est bien lui, hein! Bon, alors donc, je suis sixième. Bon, ça va, je suis. Bon, c'est pas la meilleure place, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise, hein? Faut dire que franchement, ce jeu est chiant, mais il nous décourage. Bah tiens, vous savez, voilà ce que je vais mettre, tiens. Voilà, un petit U, et voilà. Enfoncé et approuvé. Voilà, allez, donc on va continuer. On va prendre, si possible, un circuit un petit peu moins difficile, celui-là. Tiens, on va prendre le circuit australien. Bon, attendez, on va pas prendre Sauber, tiens, on va prendre Tyrell. Allez. D'ailleurs, si je me souviens bien, Tyrell, ça n'existe plus, il me semble. Enfin, cette écurie n'existe plus, c'est ce que je voulais dire. Ah oui, quoi, tiens, oui, de Footwork. Et on va prendre, oui, tiens, celui-là. Et ce sera tout. Merci. Allez, oui, non, ça, on s'en fout des réglages. Moi, je suis pas là pour papoter, je suis là pour jouer. Allez, on continue. Patressé, Hakkinen, Hill, Berger. Waouh. Il y a pas mal de noms. Il y a pas mal de noms. Hein. Bon, je suis à la 7ème place. J'en préfère être dans je sais pas, dans les deuxième ou troisième, ou même premier, mais non. Mais bon. On s'en fout. Allez, on continue. Attention, oui, on percute pas les autres. Oui, ah, c'est, ah, c'est, ça va, mince, c'était pas du tout ce que je voulais faire, mince. Oui, faites attention, vous autres, et évitez de pas rouler trop vite, et ne percutez pas, et vous percutez pas aussi. Putain, les mecs, c'est une voiture de Formule 1, pas une voiture en auto-tamponneuse, s'il vous plaît. Oh, mais merde, putain de muret. J'ai du mal à croire qu'on est en Australie. On se croirait en pleine campagne de la région de Chalon-sur-Saône. Bon, comme par hasard, j'arrive pas à les rattraper. Enfin, je sais pas si j'arriverai à les rattraper. Putain! Oh, j'ai tellement peur de percuter les autres de devant que j'ose pas approcher. Oh, que je vais vous dire, il faut vraiment être prudent dans ce jeu. Il faut vraiment être prudent. Il faut vraiment pas faire de la merde. Hein. Attention. Mais ça, je voulais pas aller par là! Non, je voulais pas aller par là! Oh, mais quel putain! Oh là là, mais quel con! Oui, alors, il y a une chose que j'avais oublié de vous dire. Quand vous tournez à droite, vous allez au stand pour faire comment dirais-je? Ah oui, une révision de votre bagnole. Bon, c'est bien, mais bon, c'est pas tout à fait ce que je voulais faire. Non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Merci les gars. Allez, on continue. Allez, on continue. Bon, je sais, je suis désolé. Je fais tout ce que je peux. Je fais vraiment tout ce que je peux, mais ce jeu, par moment, il n'est pas évident. Hein. Il n'est pas trop dur, il n'est pas trop facile, il n'est pas évident. Voilà. Tout comme le premier, il n'est pas évident. Hein. Ça vaut pas mieux le jeu Virtual Racing que j'avais testé sur Sega CD. Oh, bon, d'accord, c'était un jeu sur Sega CD qui était un des tout premiers jeux de Sega en 3D, mais au moins, ça va, il n'était pas dur. Hein. Et graphiquement, il n'était pas trop mal.
Bon, alors attention. Mais merde, mais putain, mais oh, mais te mange pas le mur aussi, oh. Mais quelle merde, eh. Ah, c'est... Je vous jure, les glandes. Bon, de toute façon... attendez, ah merde, non, si je voulais pas aller par là. Bon, écoutez, vous savez quoi, j'en ai marre, allez, c'est bon, je vais arrêter, parce que là, franchement, ça me casse les couilles, ce jeu. Ce jeu me casse les couilles, il pète mes fantasmes. Voilà, franchement, ce jeu, franchement, il est pas amusant. Il est pas vraiment, il est pas amusant, il est pas non plus évident. Et puis, bon, je vais pas dire qu'il est dur, mais quand je viens de vous le dire, et je vous le dis encore, il est pas évident. Bon, je sais pas, je propose qu'on s'arrête là, de toute façon, n'attendez rien, de toute façon, c'était pas un très grand test. Voilà donc, les gens, c'était donc Pole Position 2 sur Super Nintendo, un jeu de voiture, de F1, plutôt de Formule 1, assez bien, mais pas évident sur les bords. Hein. Voilà, donc, j'espère que ça vous a plu, si oui, comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement, et d'ici là, salut!